Bienvenue à ce 90e épisode de Lightroom Retouche Express. On va bientôt arriver à 100, hein, si on continue comme ça. Voilà une photo prise en Allemagne, ça se voit un peu à l'architecture. Le sujet est sympa, mais très clairement, le temps n'était pas avec moi. Alors, on va essayer de prendre ça et de lui redonner un peu de vie tout en restant assez naturel. On va voir qu'on peut, même avec ce genre de photo, faire des choses. Ce qui est important, on voit quoi? On voit déjà que la photo n'est pas cramée. Ça, c'est important parce que si le ciel avait été complètement cramé, là, ça aurait été un peu difficile. Là, le ciel n'est pas cramé. Donc là, faites attention à l'exposition. Quand il y a des ciels blancs, il y a des gens qui vont sous-exposer d'une manière automatique. Là, je ne pense pas que j'étais sous-exposé, mais mon appareil se débrouille plutôt pas mal maintenant dans ce genre de situation. Et je pense que j'ai dû viser plutôt vers le haut, justement pour que l'appareil prenne une partie du ciel au niveau de l'exposition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va redresser la chose. Alors, on va redresser. Alors, tant que j'y suis, je supprime l'aberration chromatique. Il y en a souvent lorsqu'on a des ciels blancs. Croyez-moi, il y en avait là-haut. Ensuite, avec repère, je vais donc redresser un peu ça. Je vais m'aligner sur le toit en haut et sur le balcon en bas. Je vais prendre ici le balcon en bas. Voilà, donc là, j'ai redressé cette partie-là. Le reste, je ne vais pas le redresser. La perspective, je la trouve bien. Comme ça donne l'impression que les deux demoiselles sont un peu plus près. Donc, je préfère le garder comme ça. Ensuite, je vais m'occuper de l'ensemble bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? C'est peut-être un peu sombre. On va augmenter un peu l'exposition. On va augmenter un peu le contraste. On va augmenter un peu la clarté. Quelque chose comme ça. Pas trop. Et puis ensuite, on va augmenter un peu la vibrance pour mettre un peu plus de couleur et un peu. Dans la SAT, ça devient tout de suite orange. Donc, je vais rester sur la vibrance, quelque chose comme ça. Voilà, là, ça me va pas mal. Donc, j'ai ramené un peu de vie comme ça à ce bâtiment. Et là, maintenant, je vais m'occuper donc des filles qui sont là et du ciel. Alors, les filles, je veux qu'elles ressortent un peu plus. Donc là, on peut prendre un simple radial hein, et puis on expose un peu plus. Voilà, ça mange pas de pain, ça se remarque pas trop, ça fait pas un halo plus clair, ça donne juste l'impression qu'il y a un peu plus de lumière sur elle. Et c'est ce que je voulais faire. Donc là, ça me va pas mal. Et ensuite, je vais m'occuper du ciel. Donc le ciel, on va prendre simplement une brosse ici, un pinceau de retouche, et je vais passer à la grosse. Alors je vais appuyer sur haut pour voir où je passe. Donc voilà, je passe dans le ciel. Et pourquoi je passe à la grosse? Bah, simplement parce que mon ciel est très clair. Et donc je vais pouvoir ici, via un masque de gamme, sélectionner les parties qui m'intéressent. Si vous avez une ancienne version de Lightroom et que vous n'avez pas la notion masque de gamme, eh ben, faudra jouer avec le masque automatique et peindre pour que ça s'arrête sur les bords. C'est la différence. On va dire que le masque de gamme va nous permettre d'aller plus vite, dans le sens où là, je vais prendre un masque de gamme luminance et je vais alors baisser le lissage parce que je veux qu'ici, ça soit des contours assez nets entre la partie que j'aurais sélectionnée et l'autre. Et ensuite, au niveau de la gamme, je vais simplement monter. Vous voyez que là, les tons sombres sont en train de partir. Là, j'ai une partie du ciel qui part. Ah oui, je peux continuer. Donc, il faut que je règle pour avoir mon ciel et pas trop de bâtiments. Et j'aurais tendance à dire que là, je suis pas mal. Maintenant, j'appuie sur haut pour ne plus voir ce que j'ai sélectionné, mais voir ce coup-ci la retouche. Je vais faire un mélange clarté, correction du voile. Ça rattrape bien quand les ciels sont pas cramés. Vous voyez que c'est en train de me rattraper. Alors, on peut faire du caricatural, hein, mais ça n'irait pas avec la scène, dans le sens où ces deux filles joyeuses, une porte un peu historique. Quel serait l'intérêt d'aller mettre un ciel vraiment très très torturé? En plus, on a des effets de bord là. Donc esthétiquement, pour moi, l'histoire, elle va pas. Le ciel torturé comme ça avec les filles en dessous, ça me va pas. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus léger, hein, juste pour amener un peu de texture ici sur le ciel. Voilà, entre correction du voile et clarté. Et on va également mettre un peu plus de bleu. Donc là, on va jouer sur la balance des blancs. Voilà, vous voyez, juste un peu. Voilà, comme ça, j'ai ramené un peu de ciel. J'aurais tendance à dire que s'il faisait un temps moins pourri, avec un peu plus de ciel, ça pourrait peut-être ressembler à ça.
Voilà, donc j'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Là, je vois un petit point noir ici. Là, je vais le virer. Hop. Voilà, en prenant une zone, prenant une zone à côté, en corrigé, comme ça. Voilà, je l'ai viré. Et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Alors, c'est toujours pas la photo du siècle, hein, faut pas rêver, mais on va dire que je l'ai rendue un peu plus présentable et à mon avis, ça doit ressembler un peu à ça. Alors, ensuite, on peut aller beaucoup plus loin. Si on veut s'amuser, on peut s'amuser avec le module TSL ici pour jouer sur les jaunes, hein, pour qu'ils soient un peu plus pimpants, les jaunes. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut faire exactement la même chose sur les oranges. Puisqu'on voit qu'on a des oranges là, donc vous voyez, on peut remonter un peu les oranges comme ça pour que ça ressorte un peu plus. Si vous voulez ici que le rouge là et l'horloge ressortent un peu plus, vous pouvez très bien vous amuser ici à faire. Alors, je vais appuyer sur O pour voir où je suis en train de passer. Voilà. Alors, pourquoi je fais à la grosse? Parce que là, c'est une couleur rouge. Donc, je vais simplement ensuite faire un masque sur la couleur. Et je vais prendre ma pipette et je vais prendre une zone ici qui est rouge. Et vous voyez que la partie sélectionnée devient l'horloge. D'accord? Donc là, j'appuie sur O pour ne pouvoir plus voir la sélection, mais pour jouer avec le truc. Et là, je vais pouvoir, imaginons, augmenter la saturation pour que le rouge y soit beaucoup plus pétant. Je vais pouvoir augmenter la clarté comme ça. Je vais pouvoir augmenter le contraste si je veux. Et je vais pouvoir augmenter un peu la saturation. Donc vous voyez, je vais pouvoir m'amuser comme ça à faire ressortir un peu l'horloge si je veux. D'accord? Donc là, ensuite, on peut faire plein de petites retouches locales. Et là, vous voyez, mon horloge ressort un peu plus qu'elle ne ressortait avant. Donc si je fais un majuscule S, hop, avant c'était ça. Donc le sujet, moi, je trouve sympa, mais la réalisation, malheureusement, le temps n'est pas avec moi. Et donc moi, j'en ai fait ça. Alors c'est peut-être un peu clair, donc on va retourner sur l'exposition générale et on va la baisser, voilà quelque chose comme ça. Donc avant, après, donc comme je disais, c'est toujours pas la photo du siècle, mais au moins je l'ai rendue un peu plus présentable. Et vous voyez qu'on fait ça quand même en très peu de temps maintenant, avec tout ce qui est outils de sélection, masque de gamme et ainsi de suite, on arrive à faire des retouches locales qui sont quand même très rapides. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.